Hello, hello tout le monde, c'est Frit. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Roblox. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va tester une map qui a l'air d'être vraiment assez sympa, car le concept, il est simple, mais compliqué à la fois. En fait, ça va être un hobby où on ne peut pas sauter. Vous savez que dans Roblox, eh ben, on peut sauter. Et ben là, c'est un hobby où tu ne peux pas sauter. Regardez, j'ai beau appuyer sur la touche espace, je ne peux pas sauter. Donc, autant dire que ça va être ultra galère pour y arriver, mais j'ai envie de me lancer dans ce challenge avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes prêts. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, en tout cas si ce n'est pas encore fait. On est bientôt 5000 abonnés, donc ce serait vraiment cool si on arrivait à les passer. Et sinon, bah, on est parti. Ok, alors là en fait c'est un petit truc avec 10 étapes où on peut pas sauter. Donc on va voir, là je peux toujours pas sauter hein. Allez, j'ai beau appuyer, ça ne marche pas. Donc faut vraiment juste faire attention à ne pas tomber. Je vois qu'il y a des petits trucs pour nous aider, j'ai l'impression les trucs transparents. Bah non, en fait non, parce qu'il y a des trolls en fait. Il y en a où tu peux carrément traverser. C'est la merde, donc on va éviter de retourner là-dessus. Et que je dois prendre de l'élan comme ça. Ah voilà, ok, en fait il faut aller super vite. Si tu vas trop lentement, ça ne marche pas et tu peux pas y arriver. Allez, on recommence, c'est parti. Hop, ensuite je vais essayer de reprendre de l'élan et de refaire la même. Voilà, on va repartir d'ici. Attention, non, dommage, au dernier je me suis foiré. Waouh, c'est pas facile, c'est la première fois que je me lance dans un challenge comme ça. Et honnêtement, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis déjà en train de regretter. Voilà, il faut aller, voilà, très très vite comme ça. Ok, on sait quoi, on va la regarder. Comme ça, si elle fait des erreurs, et ben moi je peux la regarder, je peux la recopier au cas où. Ok, pour l'instant, voilà, ça a l'air simple. Honnêtement, limite le début était plus compliqué. On va ici. Ouais, je connais ce genre de truc là. Ok, là il faut vraiment en fait pas trop prendre son temps, parce que si tu vas trop lentement, après c'est la merde. Ensuite, on passe ici. Attention, quand je commence à sortir la langue, c'est que je me concentre de ouf. Là, j'espère que c'est un checkpoint, pitié. Dites-moi que c'est un checkpoint. Ok, on passe là. On passe là. Là, il faut juste aller très très vite. Ok, nouveau checkpoint encore une fois. Là, comment on fait là? Mais comment on fait? Ah, je dois réussir à... Regardez, prendre de l'élan et hop, aller là-dessus. Pour pouvoir escalader ça, ok. Et là, hop, la même chose. Je reviens directement sur le checkpoint. Là, c'est le même système. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. En vrai, ça va, je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué. Quand tu commences à choper le coup de main, c'est plus facile, je trouve. C'est vrai qu'au début, t'es en mode, ouais, comment je vais faire? Tu peux pas sauter. Mais honnêtement, là, je commence à me dire que si ça tombe, il y a au moins moyen que je réussisse un des parcours de cette map. Ah ouais, là j'ai géré. En vrai, je suis fier de moi. Là, j'ai grave géré. Ensuite, on voit ici. Et là, encore les checkpoints. Alors là, c'est facile. Il y a un parcours d'équilibre. Franchement, ça va. Attends, pourquoi je peux pas passer? Je vais arriver en premier, mec. C'est moi qui vais pouvoir passer avant toi. Je peux prendre ton temps, mais pourquoi est-ce qu'elle est le peu? Et moi, je peux rien faire. Ah, mais il fallait cliquer, ok. Il fallait cliquer sur le mur invisible. Je crois que lui, il a toujours pas compris, en fait. Ok, là, je prends mon temps. Je prends mon temps. Voilà, là, on se dépêche un petit peu. Ensuite, là, on pivote comme ça. Et là, hop, on reprend un petit peu de vitesse. Là, la même. Ensuite, on tourne ici. J'ai pas envie de me foirer là-dessus. Hop. Ok, là, ça commence à être stressant. Là, c'est bon. On pivote, on pivote, on pivote. Oh là, je le sens pas. Là, je le sens pas. Ok, j'ai réussi. Je suis trop fier de moi. Et là, comment je fais? Ah, peut-être qu'ici. Waouh, c'est un big jump. Ok, je peux peut-être pas sauter. Mais le jeu, quand même, nous permet de sauter des fois de temps en temps. Là, j'aurais clairement pas pu y arriver. Hein. Regarde, à moins de marcher dans le ciel comme ça. J'aurais jamais pu y arriver. Donc là, ensuite, hop, la même chose. Oh, il y a un truc qui me pousse en fait. Ça glisse. Genre, ils ont mis du sort de savon sur les plateformes. Ce qui fait que c'est super dur. Ok, là, jusqu'à traverser comme ça. C'est tout. Bon, ça va. Eh, franchement, c'est facile. Attends, oh merde, j'avance tout seul. Ok, là, je dois pas toucher, à mon avis, les blocs, les sortes de Lego. Ok, ok, j'ai toujours une force qui me pousse. Vous le voyez, de toute façon, vous le ressentez. Ok, nouveau checkpoint. On escalade le mur. Ah, ah non, je peux pas. Ok, je dois passer sur le côté. Je suis en train de regarder, justement, jusqu'où il va. Ah. Ah ouais, mais c'est long en fait. Attends, attends, attends. Me dis pas que c'est. Me dis pas que ça fait tout ça. Ce n'est pas possible. Regardez, je suis déjà au 25e checkpoint. Vous imaginez? Ça a l'air d'être immense comme map. On verra bien, on verra bien. Tant que je réussis, en vrai, ça va. Peut-être qu'à un moment donné, je rage quitterai parce que j'en aurais marre et que je galérerai trop. Mais honnêtement, là, je trouve que c'est assez simple. Ah, dommage. J'étais presque. Vas-y, on va recommencer, on va recommencer, on va recommencer. Dommage, en fait, il faut faire un zigzag, zigzag. Mais respecter à chaque fois le même timing. Et j'avoue que c'est pas évident. Il y a moyen, c'est au dernier que je vois à chaque fois. Donc il y a moyen d'y arriver, je pense qu'en persévérant. Ou alors peut-être que je vais trop vite hein. Peut-être que je dois juste prendre mon temps hein. Attendez, on va essayer en étant plus lent. Allez, genre je vais là. Ensuite je vais là, en fait c'est ça, genre je vais beaucoup trop vite. Que même ça change hein. Au final je tombe quand même. Juste voilà, chaque fois aller sur le côté comme ça. Et là j'ai réussi, parfait. Là c'est bien, cette lave vous tuera instantanément. Oh oh, mais il n'y a pas de lave. Ah oui, si je touche en gros les blocs verts là, on va appeler ça comme ça, sur le côté, et bah ça me tue. Heureusement je me suis pas fait avoir. Et là il faut que je passe sur le côté, que j'arrive à saisir l'échelle. Mais ça risque d'être assez tendu, j'ai l'impression. Attends, on va peut-être essayer à gauche alors. Comme ça, comment je fais? Comment je fais pour la saisir, genre comme ça? Ah mais non, je sais pas comment faire. Je longe comme ça, tout doucement, comme ça. Voilà, il y a des petites techniques mine de rien. Il y a des petites techniques pour pouvoir y arriver. Là par contre il faut vraiment que... Hop, voilà, j'aille d'un coup comme ça. Et là la même...
Ok, j'ai réussi. Heureusement, des fois, tu tombes, mais il arrive à se relever. Genre, tu sais pas comment, mais il arrive quand même à se relever. Donc, heureusement, j'ai pas passé 20 ans là-dessus. Ok, là, on passe comme ça. Là, nouveau checkpoint. Ensuite, ouais, je savais qu'il allait y avoir un truc comme ça, une sorte de force qui allait me pousser. C'est des sables mouvants, en fait. Vous voulez me pousser dans le vide, ces salauds. Ok, là, on prend notre temps. Voilà, on joue avec la caméra. Et là, on passe ici, directement. Hop, parcours du militaire. On monte là. Une fois arrivé là-haut, on fait quoi? Pareil, hop. On replonge en avant et on ressaisit l'autre échelle. Ok, franchement, on s'en sort bien. Là, ça a l'air d'être un truc okay, qu'il nous fallait super vite, mais c'est bon, ça passe. Ah, merde, je suis mort comment? Faut juste se laisser tomber sans toucher le bloc devant nous, en fait. Ok, je viens de capter. Là, c'est bon, j'ai survécu. Eh, 35 checkpoints que j'ai réussi à avoir depuis le début. Franchement, BG ou pas BG, là? On sort quand même plutôt pas mal. Ok, là, on touche... Non, à la fin, je touche, je suis vraiment le pire. Mais pourquoi? Mais je touche même pas. Des fois, je touche pas, hein. Voilà, là, j'ai réussi. Parfait. Vas-y, on va suivre le frérot, là. On va sur le côté. Ensuite, on accélère un peu. Ensuite, on reprend son temps et on saisit le petit bout de parcelle, là. Hop, on revient sur le côté. On ressaisit le petit bout de parcelle. Et on répète la même action. Parfait, j'ai réussi. Ensuite, là, il faut pas toucher le bloc devant. Prendre son temps. De toute façon, elle est trop vite là. Dans ce genre de moment, ça ne sert à rien. Ah, mais mec, ça va être compliqué. Heureusement, on ne meurt pas directement en un coup. Mais des fois, je perds de la vie. Et je sais pas pourquoi, alors que je touche même pas, j'ai l'impression. Ok. Là, je touche pas. Là, je touche pas. Vous êtes témoin. Je touche pas. Je touche toujours pas. Ah, je déteste ce genre de moment. Bon, ils font prendre grave son temps. Allez, allez, allez. Là, je touche pas. 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 On prend notre temps. On prend notre temps. On va là. On va là. Et là, hop! On saisit directement le checkpoint comme ça, on n'est pas dérangé. Là, il faut que j'arrive à me coller et à marcher sur le côté comme un crabe. Et ouais, c'est ça, il faut clairement faire la technique du crabe. Et là, tu vois, je peux pas être plus collé que ça. Mais comment je fais? Comment je suis censé faire pour passer ça, tiens? Il n'y a pas quelqu'un qui veut venir me montrer l'exemple, là, mais non, il n'y a personne devant moi, putain, ni derrière moi. J'ai beau me caler, genre, ça ne change rien, pourtant. Oh, ok, je sais pas ce que je fais. Je sais pas... Non, mais non, putain, j'ai cru. Je suis sûr que vous y avez tous cru aussi, vous avez tous cru que j'allais passer, alors qu'en fait, pas du tout. Ce n'était qu'un troll. Allez, 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 courage, frit, 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 frérot. Oh oui, il a réussi, putain. Le boss. Mon personnage a réussi. Bon, comme par hasard, là, je me foire juste... Après, ok, non, j'ai réussi quand même à passer. Du coup, j'ai un nouveau checkpoint. Mais mec, toujours plus rapide. Donc, comment tu veux que je passe? C'est quoi ce truc de sable là? Ok, j'ai réussi, j'ai réussi, j'ai réussi. Ah, mais non, même le mur on peut m'avoir. Mais les gars, hop, 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 hop. Mais c'est super dur. C'est de plus en plus poussé là. En même temps, je suis quand même arrivé assez loin, je trouve. Oh, j'ai réussi. Je sais pas comment j'ai fait. Je suis sûr, il me restait un PV, gros. Un PV, c'était la fin pour moi. Ok, là, mais là, ça a l'air simple. Attends, on passe d'un truc super compliqué à un truc qui a l'air grave simple. Allez, il y a juste qu'à prendre son temps. En plus, même pas on tombe par terre. On est bien, bien collé. On va là, on va là, on va là, on va là, on va là. Et on prend le checkpoint. Ensuite, on passe juste ici en mode calme. Et là, il faut trouver le chemin. En fait, il faut réussir à se frayer un chemin dans ce sort de bloc. Regarde, on passe par là. Voilà, on descend un peu plus bas ici. Et là, on va remonter comme ça, tout doucement, tel Spider-Man, comme si j'escaladais un mur. Attends, là, je suis arrivé à un truc super important, là, non? Ah, allez, ça. On a une grosse turbine. Ouais, mais attends, je dois vraiment passer là-dedans. Mais gros, ah ouais, ces sortes de toiles d'araignée, mais qui peuvent me brûler si jamais je les touche. Ok. Et ensuite, on passe ici. En fait, il est infini, j'ai l'impression, le truc. On va monter là. Ensuite, on passe là dans le bloc. Ah non, ok, j'ai compris ce qu'il a fait. Il est monté par là, très bien. Et là, on passe. Ok, j'ai réussi, parfait. Donc voilà, et on atteint le checkpoint. On se laisse descendre, ici. Là, on fait attention parce que les sables, encore une fois, te poussent. Voilà. Ah ouais, c'est dur. Ok, j'ai réussi, ils m'attendaient en plus, ils sont trop minots. Fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention. J'ai réussi à récupérer le checkpoint. Et merde, non, je tombe dans le vide. J'ai voulu aller beaucoup trop vite, là. On doit passer sur le côté, voilà. Ok, là, on fait comment? Là, on doit juste traverser sans toucher les blocs de lave. Sinon, c'est la merde. Ok, c'est bon, c'est bon. On passe sur le côté comme ça. On passe ici. Nice, parfait. Ensuite. Là, ça a l'air d'être... Ah non, ça a l'air d'être dur, ouais. Là, ça a l'air d'être dur. Je pensais pouvoir bien gérer au début. Quoique, c'est peut-être qu'une question de timing. Ça a l'air d'aller en vrai. Attention, 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 attention. Oui, j'ai réussi à passer. Magnifique. Ensuite, on passe là, on passe là, on passe là, on passe là, on passe là. Ça a l'air d'être assez simple, ça, en vrai. Faut juste pas perdre la cadence. Là, il faut juste... Mais mec, j'ai même pas touché le bail. Ok, là, non, en vrai, ça... Putain, c'est facile, mais à la fin, ça a l'air dur quand même. Ok, j'ai réussi. Parfait. Ensuite, on monte ça. Mais non. Ah ouais, j'ai compris la technique. Faut juste prendre son temps comme ça, en fait.
Voilà, si tu prends ton temps comme ça. Ah non, vas-y. Ok, j'ai réussi. 2 secondes après, je tombe dans le vide. Vous savez quoi, les amis? En vrai, c'est super long. Je suis quand même content d'avoir fait autant de checkpoints. Mais en vrai, c'est vrai que si je dois le terminer, il reste encore plein de trucs. J'ai l'impression qu'il est limite infini, ce hobby. C'est un truc de malade, mais j'ai quand même bien géré, je trouve, faisant les 55 checkpoints. Donc dites-moi si vous avez déjà testé ce genre de hobby. Ça fait très bizarre de ne pas sauter. Mais en vérité, on s'y fait, on s'y habitue. Et c'est limite si après, tu oublies carrément la touche saut de Roblox. Donc j'ai vraiment kiffé le concept. Donc voilà, si t'as aimé, n'hésite pas à liker, à mettre ton avis dans les commentaires. Abonnez-vous pour ne pas rater les futures vidéos Roblox. Et on se retrouvera très très vite de toute façon d'autres vidéos. Allez, c'était votre Fried, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut tout le monde.